Bonjour YouTube, quatrième VOD sur la Moselle-Vallée, en live suite toujours, et ouais c'est la quatrième il me semble. Hein. Allez, on est reparti, on a déjà fait 20 arrêts. On a déjà fait 20 arrêts sur 31. On peut rouler à 100 km/h, on va pas se priver. Même 130 après, waouh! C'est quoi contre les Vélaro? C'est beau et ça fait un beau bruit. Ah, je suis pas fan, c'est moche. Hein. Vraiment, c'est moche l'avant. Oh là là là. En vrai, elle est chère, la map, elle coûte 5 kebabs et demi. Ah, ouais. Parce qu'ils sont pas chers tes kebabs chez toi. Attends. Parce que chez moi, elle coûterait 5 kebabs tout court. Ah, bah si, du coup, ils sont chers les kebabs. Dans le kebab, je. Ouais, je sais pas. Et 130 km/h, c'est parfait. Et salut Lyon Game, bienvenue. 5 euros. Ouais, en fait, ils souhaitent les mêmes prix chez moi. Ah oui, si elle coûte 27 euros, elle coûte pas 25 euros. Link Mimi, elle coûte 27 euros, oui, c'est pour ça. Est-ce que l'AFB va gérer la descente, par contre? Ouais, il est bien configuré, l'AFB, hein, de Chris Rhin. Moi, perso, je suis plus rame tractée que une team multiple. Ouais, je suis pareil, je préfère les rames tractées. Ah, pareil pour moi, le kebab où je vais, le 10e, enfin le 11e est gratuit du coup. Bon, du coup, bienvenue sur ce stream train et kebab. Vous aussi partagez les bonnes adresses de kebab de votre région. De toute façon, critiquer le TGV, c'est critiquer le train français. Mais c'est ça, malheureusement, le train français a perdu de sa beauté, on va dire. Ah, elle est sympa ce petit passage là, avec la descente et les voies à droite qui arrivent. Ah, le trajet va durer encore. Ah non, en vrai, ça va, il est bientôt fini. Ah non, il reste encore 50 minutes de trajet, c'est ça, 50 minutes il reste. Bonne nuit à toi en tout cas. Alors non, tu pourras pas te faire livrer un kebab pendant l'épreuve. Par contre, je pense que tu peux arriver à l'épreuve avec un kebab. Ça, je pense que c'est jouable. À l'épreuve de quoi? De BTS tu fais? Ouais, tu peux arriver dans l'épreuve avec le kebab. Par contre, du coup, si tu commences à 8h l'épreuve, il sera froid. Quand tu vas le manger à midi. Tu es en live quand? Dans la semaine, généralement. Dans la semaine, je suis très peu en live. Là, je peux être en live parce que je suis en vacances. Mais sinon, plus le week-end. Plus le vendredi, samedi. Très français chez moi, c'est TGV, Grège de Pisse et Cora d'Aube. De plus, j'ai Alstom qui font une voiture à 300 mètres de chez moi. Ouais, je vois où t'habites, c'est bon. Décris tes trains et je sais où t'habites. Faut prendre un micro-ondes comme ça avec un problème de température. Et puis dehors de kebab, pas cool pour les autres. Mais justement, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle.
Croix poubelle, régio mal partout. Régio mal partout, pas mal aussi. Ah, j'aime bien. Ah, vous avez de l'humour, hein, le chat. Hein. Ah, Guigui qui s'énerve là. Guigui, on touche à la corde sensible. Aïe, aïe, aïe. Ça rage, ah ouais, ça rage sec là. Du coup, c'est combien ici? C'est 100. 100. C'est 100. Guigui qui pète un câble. Non, mais après, moi j'ai rien contre Alstom. Hein. C'est juste dommage qu'il fasse pas des trains bien. C'est regrettable, vraiment. Hein. C'est regrettable. J'aurais bien aimé qu'il fasse des beaux trains. Mais malheureusement, ils en font plus. Ah ouais, sur TS, si on avait les B5, ce serait pas mal. Honnêtement, Coradia, ça passe. Alors, ça dépend de quel Coradia tu parles. Coradia à terre, ça passe. Coradia à liner, ça passe pas. Voilà. C'est. Heureusement que les régions de mer d'Aquitaine ont le Panto 25 000 bloqué, ça en fait moins chez moi. Ah ouais, ils ont bloqué le Panto 25 000? Je savais pas ça. Duplex, ça passe. Non, j'aime pas les TR2N. C'est. Enfin, quand je les vois, à la limite. Alors, c'est pas que j'aime les régions de Zen, hein, mais à la limite, je préfère un régio de Zen qu'une TR2N. Parce que. La région de Zen fait moins mur géant roulant. Quand je vois un intérieur de Zen, je vois un grand mur géant roulant. Oui, Alstom et Bombardier d'ailleurs, les deux, main dans la main, vont faire le RER nouvelle génération, qui sera très moche d'ailleurs, encore une fois. Je crois qu'on est tous unanimes là-dessus, il sera pas beau du tout. Ah, mais c'est sûr que sur la ligne 4, entre Paris-Est et Mulhouse, on passe des corail au Coradia Liner. C'est vrai que. On passe tout au tout là, pour le coup. Hein. Et pour les Lepanto 1500 du 4 midi, ça peut être 25 000 en premier. Ah oui, j'avais entendu ça! Et je crois d'ailleurs c'est pas pareil pour les Régiolis. Non, je sais pas. Oui, mais c'est totalement con de bloquer le 1500. Enfin, de bloquer le 25 000 pour lever le 1500. Ils auraient dû juste modifier en fait le secteur Panto et faire en sorte qu'on puisse sélectionner directement à 1500. Ah oui, les 72 000 et la L4, c'était une grande histoire d'amour, hein, malheureusement. Fini en 2015, si je me trompe pas. 2015-2016? Ah, je sais plus. La belle époque du chemin de fer, encore une fois. Hein. C'est pas si vieux, mais ça remonte tellement déjà loin. Et quand je regarde mes photos que je fais actuellement, enfin, pas que j'ai fait actuellement, mais que j'ai fait il y a un an, par exemple, quand je les regarde, les trois quarts, c'est des archives, en fait. 7200 béton sur du fret, archives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 26 184 archives. Pas mal de 26 000 sont déjà des archives. Mais je crois qu'il y avait une gare, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre qui était en archive? Enfin, il y a plein d'archives. 2007, il y avait encore des beaux trucs. Ouais, il y avait encore des beaux trucs, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, il y avait encore des beaux trucs. Là, on arrive, on est en train de descendre une pente et on arrive au bas de la pente, là, honnêtement. C'est vraiment fou ce qui se passe en France. Il n'y a plus rien à faire en photo. Les trains de nuit, bah voilà. Bah, parlons-en, cette année, ce qui disparaît, là, au mois de juin. Train auto-couchette, ça disparaît. Le frigo, ça disparaît. Là, au mois de juin, là. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Il y a 3 ans, Zero City, Iris et Vauban. Et oui, Iris et Vauban, bah oui. Maintenant que ça en Bretagne et Franche-Comté, oui. Même Z2 en Franche-Comté aussi, on peut rajouter. Non, Guy, je dis pas que tout ce qui est récent, c'est de la merde. Parce que les Vectrons, c'est récent, j'adore. C'est juste que ce qu'il y a de récent en France, c'est de la merde. Plutôt que d'acheter des Corrada Liner, on aurait acheté des Railjets. J'aurais été content. C'est moderne. Ça correspond aux besoins qu'il y a en fait. Parce que le Corrada Liner, il répond pas aux besoins. Pour moi, le Corrada Liner, c'est un TER déguisé en IC. On aurait eu des rames tractées à la place de ces automoteurs qui ne sont pas prévus pour faire de l'intercité, ça aurait été nickel. Les Railjets pour L4, voilà. Bah, Nog Diesel, ça s'achète aussi, hein. Quand je parle Railjet, c'est principalement le principe Railjet. Et c'est le Max 77181. Je trouve ton live et tes vidéos vraiment sublimes. Continue comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bienvenue à toi sur la chaîne. Et si tu es en séjour en Allemagne, bon séjour en Allemagne. On est dans le tort car le français moyen aime les trains modernes. Si vous ne l'aimez pas, ça doit être en dessous du français moyen. Non. Non. Le français moyen, c'est la moyenne. Ça veut dire que c'est les gens. Tu vois, si tu prends une frise, comment t'expliquer ça? Tu vois, donc le moyen, on va dire, c'est là. Tu vois, là, il y a le moyen. Là, il y a le moyen. Là, il y a les gens qui n'ont pas de goût comme toi. Et là, il y a nous qui n'ont pas le moderne. Et là, il y a les gens qui ont le moyen. Et toi, t'es là, t'es en dessous. Les gens moyens, ça veut rien dire. Les gens moyens, ils connaissent rien à la SNCF. Et pourtant, ils y critiquent. Donc, bon. Moi, le français moyen, pour moi, ça veut rien dire, ça. Ça veut tout rien dire. Fait, Guigui, t'as pas compris que il y a des beaux trucs en moderne, mais pas en France. Les radios seraient une composante parfaite pour les corails. Mais tout à fait. Mais pourquoi, en fait, je vous explique pourquoi... La SNCF ne veut plus de rames tractées, même l'État, parce que pour le coup c'est l'État qui finance les trains d'équilibre du territoire. Pourquoi il n'y aura plus de rames tractées en France? Parce que ça coûte cher. Attends, je règle la vitesse. Ça coûte cher en main-d'œuvre pour la manœuvre. Parce que une rame automoteur, en fait, tu la rentres en maintenance en un bloc et elle fait sa maintenance en un bloc. Une rame avec des voitures, il faut manœuvrer les voitures, les écarter, les mettre de côté, les reprendre d'autres. Et ça marche pas en fait. C'est à cause de l'ES, il me semble. Alors non, pas sur les trains, enfin, pour l'instant, pas sur les trains intercités, mais pour les TER, oui. Mais après, pour les TER, ça se comprend, hein, que pour les TER, l'utilisation d'un automoteur est très justifiée. Mais c'est plus pour les intercités, là je parle, où finalement les Corrada Liner pour moi n'ont pas leur place sur un intercité. Parce qu'ils sont pas calibrés pour en fait. Ici Bordeaux, La Rochelle, il devrait passer en. Mais Bordeaux, La Rochelle, il est. Ah merde, une gare! Ah, Prima Runner, tu as gagné ton permis, ton pari. Ça m'a sauté l'arrêt du coup ou pas? Ah oui, ça me l'a. Ok, bon, bah tant pis. Bon, attends, on y va. Vous me déconcentrez là! Bah, je vous lis plus. Non, mais Guigui, t'as pas compris en fait. Bah, c'est pas grave. Je vais arrêter parce que Guigui, je sais que t'es très fermé sur le sujet, que t'aimes bien Thierry Jolis. Mais voilà. Bon, vous n'avez rien vu, il s'est rien passé.
On aura gagné un arrêt. Du coup, on va arriver hyper en avance à la gare d'après. Après, ça dit que le conducteur est talentueux. Non, mais voilà, il y a des moments où je suis un peu plus fébrile que d'autres moments, voilà. Le problème des isométries, c'est que si tu as une patte sur un élément, toute la rame qui est bloquée. Oui, c'est vrai, mais ils préfèrent bloquer une rame entière que avoir à payer des gens à manœuvrer une voiture dans une rame. Là, une gare, fais gaffe. Ouais, je l'ai vu la gare. C'est bon, je l'ai bien vu. Ah, mais voilà, c'est le problème des streamers, ça, quand tu lis le chat. Ne veut pas comprendre. Non mais. Ah. Mais je freine trop. Ah, c'est, j'ai perdu le freinage là du coup. Je sais plus comment on s'arrête. Voilà. Bon du coup YouTube, fin de la VOD. Comme ça sera courte et celle d'après elle fera une demi-heure, ce sera nickel. Et merci YouTube.